est une grande famille politique, dépositaire d'un héritage historique. Nous savons les uns et les autres d'où nous venons. Vous voulez une France forte dans une Europe forte ? Alors votez pour ceux qui, à l'UMP, sont fiers d'être français et fiers en même temps d'être européens. Nous avons confiance dans la France, nous aimons la France et nous savons que la France, dans son drapeau, elle a du blanc, elle a du rouge, mais elle a aussi ce bleu qui est le bleu européen, qui fait partie de notre identité. L'UMP croit très rapidement mettre sur la table son programme de changement de politique et de gouvernement quand on va remplacer les socialistes, et le plus rapidement sera le mieux. Le choix, il n'est pas dimanche entre la France et l'Europe. Elles vont ensemble, comme les deux drapeaux qui sont toujours avec nous. Non, il n'y a pas d'incompatibilité entre l'amour de la France et la volonté de construire une Europe qui nous permette d'agir et d'être plus forts. L'Europe n'est plus un Eldorado. L'Europe n'est pas une forteresse. Mais l'Europe doit avoir le droit et peut avoir le droit de déterminer qui elle veut et qui elle peut accueillir sur son territoire. Avec cette Europe à géométrie variable, tous ceux qui sont prêts à avancer, eh bien avancent et que les autres viennent nous rejoindre. Il est donc faux de craindre que les Américains nous obligent à bouffer du poulet au chlore ou du bœuf aux hormones ou du maïs aux OGM. C'est totalement exclu. Pas d'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, c'est dans le programme de l'UMP, c'est clair. Moi, je pense que l'Europe n'est pas un problème pour la France. Mais je pense sincèrement que la France de François Hollande devient un problème pour l'Europe. Nous devons avoir le maximum de députés UMP pour siéger au PPE, pour avoir un président de droite, pour ne pas avoir la double peine. On vous les amènera. Je vous demande d'être mobilisés à fond jusqu'à dimanche pour qu'ensemble, nous emportions la victoire et qu'ainsi, nous faisions la démonstration que l'avenir de la France, c'est l'avenir de l'Europe et que c'est à l'avenir des enfants de France que nous pensons. Dimanche 25 mai, un seul jour, un seul tour, un seul vote. Dites non à François Hollande. Pour la France, agissez en Europe, votez pour les candidats de l'UMP.